Monsieur, bonsoir. Merci pour l'attention. Nous avons un petit peu de l'actualité en ça vendredi. Maurice Pépré-Poli pour faire sous ban frontière avec l'Afrique du Sud. Conseil des ministres fin prend sa décision là grand matin et que ban modalité discutée pendant la réunion High Level Committee présidée par Premier ministre dans l'après-midi. Criminal Code Amendment Bill fin voté sans amendement cet après-midi dans l'Assemblée nationale. Dans ce summing up, Premier ministre fin souligne l'importance cause en celle la voix des côtés la SAM pour revendiquer la souveraineté Maurice l'Olorcipel Sagos. En sa 26 novembre, c'est la journée internationale des bannes aides-soignantes. Ça, la journée là permet de rendre hommage à sa profession paramédicale. Et dehors, dans l'Afrique du Sud, un nouveau variant COVID-19 qui identifié BNN52 peut inquiéter le monde. Merci pour fidélité. Maurice Pépré-Poli pour ferme sur ban frontière avec l'Afrique du Sud. Conseil des ministres fin prend sa décision là, grand matin, et que ban modalité discutée pendant la réunion High Level Committee présidée par Premier ministre dans l'après-midi. Hier soir, l'Europe fin décide arrête tout ban vol en provenance l'Afrique du Sud et Royaume-Uni. Sa nouveau voyant sud-africain là, PFRP, selon le ministère de la Santé de sa pays. Là, sa variant là, les potentiellement plus contagieux et plus mortels dans le monde. Kevin Tapessa de Nuban détail. Nouveau variant sud-africain baptisé B.N.N.529, jugé préoccupant par ban scientifique en raison de ce ban nombreuses mutations et de ce ban la caractéristique qui est hautement contagieuse. Suivant la situation de près, Conseil des ministres, présidé par Premier ministre, il prend une décision concernant ban vol en provenance de l'Afrique du Sud. Ban modalité entourant la fermeture de nos frontières avec l'Afrique du Sud tient au centre ban discussion lors du High Level Committee présidé par Pravin Jugnauth. Réunion qui finit en lieu durant la pause au Parlement cet après-midi. Et au Parlement ce matin, Premier ministre inobjecté à la motion leader de l'opposition Xavier Luc Duval pour une séance dédiée à COVID-19. Pravin Jugnauth qui finit dire que depuis 2020, le gouvernement peut travailler d'arrache-pied pour gérer au mieux la pandémie. I object to the request of the honorable leader of the opposition on the following grounds. The government's preparedness and response to the COVID-19 pandemic has been lengthily debated on numerous occasions in this house since 2020. D'après ban l'autorité, walkout l'opposition par fin servi à Nanyé, parce que le gouvernement, à travers notamment High Level Committee au COVID-19, peut suivre la situation à Maurice et à l'étranger de près. Ban membre de l'opposition, qui vient du reste, regagne l'hémicycle lors du summing up du Premier ministre, le Criminal Code Amendment Bill. Hier soir, au vu de ban rapport de l'Organisation mondiale de la santé, le dangerosité nouveau variant sud-africain, Commission de l'Union européenne présidée par Ursula von der Leyen, il prend décision pour fermer ban frontière avec l'Europe et à ban vol en provenance de l'Afrique du Sud. L'Angleterre fin emboîte le pas à la Commission européenne pour suspendre ban vol en provenance de l'Afrique du Sud et de 5 les autres pays de l'Afrique australe, à savoir Namibie, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe et Botswana. Ban vol qui fin suspendu depuis 12 heures ce vendredi. National Communication Committee fin convoque la presse aujourd'hui après-midi. Ministre de la Santé et du Bien-être, Dr. Kailesh Jagatpal, fin fournit ban sif des ban tests qui fin faire pendant la semaine. 1021 patients atteints COVID-19 parmi 24 cas positifs importés. Dit 11 octobre au 10 novembre, 15 cas variant Delta fin détecté le 30 et sortignon qui fin analysé. Dr. Kailesh Jagatpal fin aussi précisé qu'il n'a pas et n'a un manque l'oxygène. Fin signe un accord entre ministère et qu'une société pour fournir ben, l'oxygène en cas qui besoin. Dr. Nokchedi, infectiologue, aussi présent pendant sa conférence de presse là, fin amène ben, éclaircissement autour des ben, traitements COVID-19 dans ben, l'hôpital régional. Nous écoute un extrait de sa conférence de presse là. 912 805 personnes ont fini faire première dose et deuxième dose, c'est 889 442 du monde ont fini faire deuxième dose. Ça, semaine-là, comme on connaît, ben, booster dose, nous finissons trop
pas mal de immunes qui viennent pour faire cette booster dose. Le total, c'est 77 327 immunes qui viennent faire cette booster dose. Et puis, nous avons la tendance pour maintenir avec à peu près 8 à 10 000 immunes tous les jours qui viennent pour cette booster dose. Concernant un cas local, un cas positif qui nous finit tester pendant une semaine avec le test PCR, c'est nous finit énorme 1021 cas positifs qui nous finit tester avec le PCR pendant sa semaine-là. Et un cas importé qui finit venir par différents vols, énorme 24 immunes qui finit tester positif, 24, et puis tout ben cas importé, je stable, je pas énorme aucun problème. Ben patient à INT. Là, on peut de nous, le nombre de patients qui n'admettent à INT, il est 41, jusqu'à aujourd'hui le matin. Parmi là-dedans, il y a 10 le ventilateur et 10 patients qui le ventilateur, 8 lead vaccinés, fully vaccinated, et puis 2 qui pas vaccinés du tout. Il y en a aussi 18 patients qui ont oxygène, et parmi ces 18 patients-là, 10 les vaccinés, 7 pas vaccinés, et puis un qui nous peut encore confirmer que ce statut vaccinal était. Il y a encore 13 patients, ces 13 patients-là, 10 ont l'obène observation parce qu'ils ont des autres conditions qui sont associées avec eux. Dans tout nous bien l'hôpital, au total, c'est 482 patients qui n'admettent. Si je vous connais, qui semaine dernière, nous tenons un petit peu plus que 500. Pendant une semaine, c'est 122 patients qui finissent décédés avec COVID. 21 n'ont aucune comorbidité et 101 n'ont comorbidité. Comment on trouvait, je veux dire, le sac, 5 patients qui décédaient, 4 patients n'ont aucune comorbidité. Je suis capable de rassurer vous, qui, contrairement à toute une rumeur qui n'a pas aucun manque d'oxygène dans nous, l'hôpital, dans le passé, ni maintenant, et là, nous connaissons que si nous finissons une préparation, en cas de l'avenir, nous avons besoin plus d'oxygène, déjà, des morts, si nous finissons faire, pour qu'ils nous finissent approvisionner nous avec l'oxygène, comme ça, dans l'avenir, nous ne prenons aucune difficulté. Dans titre, Nuspediali défend et fait respecter l'intégrité et souveraineté territoriale la République de Maurice. Criminal Code Amendment Bill fin voté sans amendement aujourd'hui après-midi dans l'Assemblée nationale. Dans ce summing up, Premier ministre fin souligne l'importance qu'ose une seule la voix d'écouter la SAM pour revendiquer la souveraineté Maurice. L'archipel Sagos, Pravin Jugnot fin cause des bons efforts continue et sans relâche à tout bas niveau pour faire respecter les droits légitimes républiques et pour compléter décolonisation. Un reportage Cynthia Moutou. The International Court of Justice has made it clear that the Chagos Archipelago is and has always been an integral part of Mauritius and that the so-called British Indian Ocean Territory is an illegal entity. In Resolution 73/295, the United Nations General Assembly has called upon the United Nations and all its specialized agencies, as well as all other international, regional, and intergovernmental organizations, to recognize that the Chagos Archipelago forms an integral part of the territory of Mauritius. And not to recognize the so-called British Indian Ocean Territory. Now, pursuant to that resolution, the United Nations has changed its maps to clearly show that the Chagos Archipelago is part of the territory of Mauritius. In the resolution which it adopted last August, the 27th Universal Postal Congress inter alia decided that the International Bureau of the Universal Postal Union should cease the registration, distribution, and forwarding of any and all postage stamps issued by the so-called British Indian Ocean Territory. It is crystal clear that as a matter of international law,
Mauritius is the only state which is lawfully entitled to exercise its sovereignty and sovereign rights over the Chagos Archipelago and its maritime zones. It is therefore unacceptable that any person acting under the authority or instructions of, or with the financial support of, a foreign state as defined in the bill or any organ or agency of that state should, with impunity, be able to produce, distribute, supply, or market any coin, stamp, official map, or other official object or document which describes or refers to the Chagos Archipelago as the so-called British Indian Ocean Territory. The bill is intended to punish such misrepresentation of the sovereignty of Mauritius over the Chagos Archipelago. Mr. Speaker, sir, the island of Tromelin also forms an integral part of the territory of Mauritius. As has always been the case, government will continue to assert our sovereignty over the island of Tromelin. Après 20 ans, l'opération Bizet revisite l'Independent Broadcasting Authority pour répondre à ban l'attente paysage médiatique et ban amendement proposé à l'IBA Act l'inépli n'y pas une tentative censée à ban radio privée ou arrête la liberté d'expression dans le pays. C'est ce qui Premier ministre fin dire dans l'Assemblée nationale aujourd'hui après-midi. Pravin Jagnot fin présente l'Independent Broadcasting Authority Amendment Bill en deuxième lecture. Sa prose la loi là prévoir parmi création and independent broadcasting review panel. N'écoute Premier ministre. Mr. Speaker, sir, the proposed amendments have been motivated only by the changes in the media landscape and past experience with the operation and application of the existing law. While proposing the new dispensation, as reflected in the bill, we have drawn inspiration from international best practices, which include an equitable balance between rights and obligations, between rights and duties, and between rights and responsibilities. Contrary to what is being ventilated in the media by some members of the opposition, the proposed amendments are certainly not an attempt to muzzle the private radios or to curtail freedom of expression in the country. The sole objective of the proposed amendments is to establish a modern and more comprehensive legal and regulatory framework within which the IBA can operate and carry out its functions and fulfill its obligations in a more effective and efficient manner. Chaque 26 novembre, c'est la journée internationale ban aide soignant. C'est créé en 2010. Ça la journée là, il permet de rendre hommage à sa profession paramédicale. Ban aide soignant, c'est un lien entre ban docteur, ban infirmier, ban malade et zot famille. Depuis plusieurs années, Black Friday est imposé comme un rituel en fin d'année. Il est sorti depuis l'Amérique. Sa concept marketing et commercial fin fait le tour du monde. Et dans Maurice, il n'est pas fin en reste avec un rabais, un discount dans un centre commercial. Cette année-là, à cause du coronavirus, ban du monde tila, mais pas tellement beaucoup du monde dans sa première jour-là. Ban ce qui nous fin rencontrer, je dire qu'ils ont pu prendre tout ban précautions nécessaires pour protéger Thierry Ramasomi de nous en détail. L'événement commercial importé depuis des hauts fin prend ce ben l'assise dans Maurice depuis les trois bonnes années. Ça l'année là encore, COVID-19 oblige, ben à chaque Black Friday peut prendre une autre dimension. Mais au fond, le principe là reste pareil. Mettre à disposition publique un plus grand nombre de produits à ben prix qui défie toute concurrence. Ici, dans sa centre commercial qui est bien prisé dans ben haute plaine Willems, tout peut mettre en place pour un maximum précaution sanitaire. Aujourd'hui, nous appliquons tout le protocole de sécurité qui consiste à contrôler la température dans les entrées, vérifier le port du masque dans le mall,
s'assurer que les gens se servent du hand sanitizer. Nous avons aussi increase notre personnel de sécurité spécifiquement pour ces jours. Ben Priya Boda incite ben consommateur à ben achat impulsif, mais ici peine à compromis la protection d'usage. Nous pouvons checker température devant la porte et sanitizer, hand sanitizer, et nous pouvons essayer d'éviter la foule. Nous pouvons essayer dans chaque zoning, essayer de diminuer tous les clients pour disperser. Ben consommateur, je finis quand même dire qu'ils sont contents. Actually, I'm very happy. I really like the sales and the stock they have, the new stocks they have. I really liked it. Ouais, je viens de commencer là. Pour moi, c'est toujours 3 ou 4 magasins seulement, donc je ne vais pas dans tous les magasins. Il faudra bien prendre des précautions, donc ne pas venir dans des aires trop pointes. Donc ça, c'est très important aussi. Responsable et économe, Ben Mauricien paraît fin prendre la mesure danger qui représente variant Delta Cotonou. Phénomène frénésie d'achat pour Vini sans doute, avec week-end qui peut coster, mais nous capables réjouir à nous qui Ben Mauricien qui nous fin zoen, zourdi, fin prendre tout ben précaution d'usage. Vous retrouvez pour PAS international, c'est après sa PAS publicité. Te irresponsable au la route. Mauvais dit mal. Te fait excès vitesse. Mauvais dit mal. Te gain contravention en l'olot. Mauvais dit mal. Te bois et condire. Mauvais dit mal. Avec augmentation accident et victime, asté à la loi, plus sévère. Faire attention, la manne fine augmentée. Et na prison, et même disqualification. N'a pas joué avec la vie, ban innocent. Nous tous ensemble, à nous faire en marise et faux pour réduire nos accidents et que molo nous la route. Pas oublier, te roule mal. Mauvais dit mal. Nouvelle vidéo avec sa voyant qui inquiète les mondes, dit connu comme un BNN5D9. À cela, tant que l'OMS n'a pas classifié les voyants, la PFR, ban scientifique guimpéen en raison de sa mutation, les fins détectées dans Botswana et dans l'Afrique du Sud. Et n'a encore beaucoup d'incertitudes autour de sa voyant là. Ban autorité sanitaire peut appeler ban citoyens vigilants et faire se vacciner dans l'Afrique du Sud et dans le Royaume-Uni. Secrétaire d'État à la Santé indiqué que tout ban vol en provenance de l'Afrique du Sud, Namibie, Lesotho, Eswatini et Zimbabwe ainsi que Botswana, zot fin suspend depuis aujourd'hui. Nouvelle l'état à Stella dans Maurice, un courant d'air léger et soupe circule dans nos régions. Prévision pour prochaines 24 heures. Prétend Niaz à soir avec un peu ondé localisé. Le ciel pour éclaircir par la suite et pour faire beau temps à soir. Température minimale peut varier entre 18 et 20 degrés. Le plateau central est entre 20 et 24 degrés. La région, la côte, pour faire beau temps demain. Mais pour un ban développement Niaz temporaire qui prévoit dans l'après-midi le plateau central et qu'à l'ouest avec ban averse localisée. Température maximale pour supérieur à la moyenne et voyant 26 et 28 degrés au plateau et quand 30 et 33 degrés l'eau littorale divan lésé et voyable la mer pour peu agitée avec ban vague l'eau de Enmet au-delà ban récif marée pour haute demain 8h55 et 18h20 marée pour basse 23h28 et demain 14h29 soleil pour lever 5h20 demain et coucher soleil 18h34. Alors, c'est sa zone à la fin ici. Merci pour l'attention. Bon week-end. Bonne soirée à tous. Au revoir.